Moi, c'est Mbappé, finalement je vais rester. Bref, au début pourtant, j'avais envie de me barrer avec mon équipe de bras cassés. Enfin, quand je vois mon gardien, je dirais plutôt de pieds cassés. J'avais juste envie de lui foutre deux patates et de me casser très loin. Parce que moi, cette année, la Ligue des Champions, j'y croyais. Ouais, et ben on s'est fait foudroyer par l'équipe dont tous les soirs je rêvais. Alors à cet instant T, le match venant de se terminer, je suis parti rencontrer le président afin d'y signer les papiers pour venir m'incruster. J'avais beau être en train de pleurer, j'ai quand même lu le contrat tout ça au cas où. Car on n'est jamais à l'abri d'une petite ligne bizarre écrite en tout petit où il pourrait y être inscrit des dingueries. Tout semblait être carré, mais quand j'ai tourné la dernière page, 10 euros ouais, mais tu m'as pris pour ta p***. Absolument pas, je préfère les blondes aux yeux bleus, moi. D'ailleurs, à cause d'elle, eh ben, j'ai plus de fric, désolé. Je l'ai regardé, il m'a regardé, elle est entrée, il l'a regardé, elle l'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a subtilement regardé, elle m'a... Bon, 10 euros c'était nul, mais la prime à la signature, ça, quel plaisir. Malheureusement, le lendemain, elle m'a appelé et elle m'a dit « Allô, je suis enceinte ?» J'ai raccroché, elle m'a rappelé « On l'appelle comment ?» Mais wesh, tu peux pas être enceinte après un jour, bordel. C'est l'amour. J'ai raccroché, je l'ai bloqué. Vu que moi, j'ai 200 de QI, j'ai ouvert un Google Doc et j'ai pesé le pour et le contre. D'un côté, j'ai une équipe de pleureuses, blessées toute l'année et qui se chie dessus dans les grands rendez-vous. Toute cette merde, et c'est le cas de le dire, était supervisée par un mec aux tendances cambrioleuses, jetant des millions d'euros depuis son taxi jaune pisse. Et de l'autre, une équipe solide, emmenée par le deuxième meilleur joueur du monde juste derrière moi. Et ouais, faut pas déconner, c'est moi le meilleur. Mais dans un club où on propose 10 euros, parce que la meuf du président l'a pompé jusqu'à l'os, et où dans son ventre réside apparemment mon futur fils. J'ai fermé internet et j'ai sauté dans la Seine. Malheureusement, à cause de ma grosse tête de noisette, impossible de me noyer, elle venait toujours flotter sur l'eau, bordel. Bref, je suis tout mouillé, j'arrive pas à crever, et si tu veux savoir la suite, eh bah like et abonne-toi.